précédemment. Et en plus, on a assez d'économies pour pouvoir vraiment vivre aisément. Et là, même là, j'ai une proposition à te faire. Parce que, compte tenu, d'abord, j'étais à 2 ans de la retraite. Et c'était une retraite précoce. On a assez d'argent pour pouvoir se suffire. Donc moi je voulais te proposer, franchement, qu'on parte à Talon. Je tiens pas à briser mon foyer. Je t'aime trop. Je t'aime, bébé. Tu es mon amour. C'est le plus bien. On y va, on va marcher un peu là. On va se balader en amoureux. Non, ne pose pas assez de questions. Ne fais pas. Donc calme-toi, je t'explique. Ne discute pas, je t'explique. C'est un problème très sérieux, je t'explique. Les gars, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va. C'est cool, mon chéri. Quoi? C'est donc ça la nouvelle? Depuis un moment. Et nous avons décidé ensemble d'aller au village. Ça peut s'arranger. Tu pourras venir après. Et puis tu vas venir bosser. Tu vas venir passer ton concours. Ok, je vais m'y faire. Et tant là-bas, redoubler d'efforts, travailler. Et puis revenir en force. Ça va aller, on va voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait perdu ce boulot? Bon, lui-même va t'expliquer peut-être ton nom et ton âge. Mais sinon, il a perdu son emploi. Il a aussi demandé qu'on puisse méditer sur ce passage-là. Ah bon? Tu vas lire, comme on le fait d'habitude. Ok, puis on va faire la prière ensemble. D'accord. Un grand appel. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, verset 7. Ok, comme tu as fini, on va faire la prière maintenant. Je vais répéter après toi, comme on le fait d'habitude d'ailleurs. D'accord. Cher Père, je te remercie de m'accorder de longs jours et de m'aider à accomplir ma destinée et mon appel en Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Sous l'inspiration de ton esprit et sous la conduite de ta parole au nom de Jésus. Amen. Cette prière va beaucoup m'inspirer, même m'aider pendant mon concours. Je fais en ça. Ok, fils, on va aller manger, passe à table. Ok, maman. Yeah.
Bonne arrivée. Hortense, oui, venez là. Venez. Ah, ça va? Ouais. Ah bon? Est-ce que ce petit. Non, mais que les enfants grandissent vite. Ça intéresse. Non, vraiment, vraiment. C'est tout. Rappelle-moi son nom là, déjà, j'ai oublié. Mais ça va? Ça, c'est ton petit là. Vraiment. C'est ton petit là. Comment elle a grandi? Vraiment. Pas vous? Ça va? Non. Eh, t'as dit? Eh, à tout. Ça va bien? Ça, voilà. Donc, laisse-moi ça. Où c'est? Laisse-moi porter un élève. Attends, 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 toi, t'aimes trop ça. Hein? Y'a moi là. Fais doucement. Je vais te faire déjà. Tu sais quoi? Feu là, c'est même pas celui que tu as préparé de bon. Tu es en train d'enfumer les gens là. Allez, va là-bas. Oh, passe ici. Où tu étais, papa? Tu quittes chez ma camarade. Tu quittes chez ta camarade? On te voit partout, partout dans ce village. Même derrière l'homme, on te voit là-bas. Tu penses que je ne sais pas?
Ok, j'ai compris. Bon, viens, approche, approche, viens, viens, viens là. Dis-moi, qui t'a mis enceinte? Regarde-moi ici. Qui est ce fourri qui t'a mis enceinte? Tu me réponds pas. Mais y a quoi dans ta tête? Tu me réponds pas. Bonjour mon frère. Ah, salut étranger. Bonne arrivée monsieur. Merci. Parce que visiblement on dirait que vous n'êtes pas de ce village. Tout à fait. Mais dites-moi, vous cherchez quelque chose? Non, je suis le pasteur Makuzo. Je suis récemment affecté dans votre village. Et je cherche un endroit pour y passer la nuit. Vous êtes passe quoi? Pasteur, mon le révérend pasteur Makuzo. Mon mari, je vous devance. Attends, pasteur. Pasteur. Pasteur, bonne arrivée. Malin, attends-moi. Un salaud comme ça qui arrive dans le village, il se prend pas pasteur. Ah, son sac qui a lousé son épaule. Ok. On n'apprend pas la grimace à un vieux singe. Ce que je vais faire, je prends tes bagages. Papa, pardon. Tu vas chez ce fourrier. Papa, pardon. Regardez mon sel. Comment vous demander pardon à papa? Ogoussi. Ogoussi. Tu vas aller aussi. Ogoussi. Papa, s'il te plaît, Ogoussi, ne fais pas ça. Je suis ta fille. Hé, quitte là-bas. Je suis ta fille, pitié de moi, s'il te plaît. Hé, hey, quitte ma maison. Ogoussi, pardon. Hé, Ogoussi. Quitte ma maison. Ogoussi, ne fais pas ça. Ogoussi, ne fais pas ça. C'est ta seule fille, Ogoussi. Tais-toi. Qui commande ici? Qui commande ici? Allez, viens papa là-bas. Ta figure rouge là. Aïe, mon goussi. Toi tu fais quoi là? C'est là, c'est qui? Tu fais quoi là?
Mon papa m'a chassé. Je suis enceinte de toi. Je fais comment? Tu aimes quoi? Je suis enceinte de toi. De qui? De moi? Bien sûr. Non, 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 non. Tu sais, je te vois. Non, ce message-là, c'est qui? Non, 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 non. Calme-toi. Non, mais dis-moi, c'est qui? Non, tu te calmes. Tu sais, tu m'as pas dit, tu es enceinte de qui? De moi? Je suis enceinte de toi. Mais. Montez la main dans la porte. Je te vois venir. Je te vois venir. Tu vas avoir un enfant Bengis, quoi. C'est ce que tu veux. Moi, je dois retourner sur Paris. Je te vois, tu te promenais plusieurs fois avec les jeunes de Taloué. Hein? Trouve-toi un père parmi ces jeunes-là. Tu comprends? Trouve-toi un père parmi ces jeunes-là. Moi, je n'ai que dalle de cet enfant. Je veux pas avoir un enfant de toi. Nelson, tu es méchant, Nelson. Okay. Nelson, tu peux pas me faire ça. Nelson, qu'est-ce que je vais devenir? Nelson, tu m'as eu. Seigneur. J'avais goûté mon père. Nelson, tu es méchant! Nelson, tu m'as eu! Nelson! Nelson, ma cousine! Comment me fais ça, Nelson? Rebecca! Rebecca! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Je suis mis à la porte. Je ne sais pas où partir. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Bon, calme-toi. Je te ramène à la maison. Je te calme, d'accord? Nelson, c'est toi, c'est bon comme ça, on va à la maison. Madame Agoussi! Oui. On dit quoi? Ma chère. Comment ça va? Merci. Comment ça va? Ça ne va pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Moi-même. Ne te dérange pas, parle, je t'écoute. Pas comment j'ai été. Non, nous sommes des soeurs, vas-y, madame Agoussi. On dit quoi? Ma chérie. Coco! Coco! Oui! Ah, ma femme! Bonjour, Marie. Vous l'arrivez? Merci beaucoup. Ah, toujours belle. Ça, c'est bien ça. Asseyez-vous. Ok. Ok. Dès que cette année le sacrifice sera costaud. C'est toi tu vois. Hein? Ouais. Voilà. C'est bien ça. En tout cas, le vieux, il mérite ça. Il mérite celui-là. C'est important. Parce que le vieux était le garant de la tradition du village. Du village. Du village. Surtout. Saloué, c'est pas n'importe quel village. Il respectait toujours le sacrifice. Le sacrifice. Toujours. Alors. Grand frère. Comment tu vas? Tu es le bienvenu. Tu es venu avec. Ça, c'est les hommes de la ville, ça. Ah, toujours bien gros. Asseyez-vous. Ah, merci. Ah, c'est bien ça. Hortense. Bonjour. Ouais. Je t'assure, s'il te plaît. Ben, comme vous, l'honneur, mes frères, les nouvelles. Mon grand frère, il n'y a rien de grave. Hein. Voici que la semaine prochaine, c'est la pleine lune. Ouais. Ils sont venus te voir pour le sacrifice pour l'âme de notre père, comme d'habitude. Je vais te dire quelque chose. Je ne suis plus dans toutes ces histoires. Aïe, ton frère. Je ne suis plus dans toutes ces histoires. Mais. Sika. Il y a 5 ans que le vieux Bossi est décédé. Oui. Et il est important que nous fassions ce rituel, ce sacrifice. Mais bon, c'est un prêt, quoi. Je vais te demander un peu d'argent juste pour mon commerce. Madame Agoussi, oui. Je vais bien te faire le prêt. Mais comme tu es ma soeur, j'ai un petit secret à te donner. Tu vois le féticheur Loufé. Avant de vendre, c'est lui que je suis allé voir. Il m'a donné un petit secret. Voilà comment tu vois que je prospère. Donc je te conseillerais de faire de même. Va le voir et puis tu verras. Oui. Le féticheur Loufé. Oh chérie, tu ne me vois pas. Tu ne vois pas. Alors, mais pourquoi tu doutes? Va le voir et puis ne tâte pas. Hein. Tu comprends? Voilà, va le voir, puis tu verras. D'accord, bon, ça va vraiment. Bon, faut pas douter, hein. Va le voir.
Tu peux aller voir le petit chien Lucy. En tout cas, je t'encourage. Vas-y, faut le faire. Merci beaucoup. Pas de quoi, chérie. Je salue ton mari. J'ai été franc, clair et direct. Je suis plus dans toutes ces histoires de sacrifices, de mort. Il est mort. Singapour, on va revenir encore faire ces histoires-là. Non, si vous. Doucement, tu sais. Et tous les. Je t'aime bien. Ce que je peux faire, comme c'est une histoire de famille, je vais vous apporter de l'argent, ma contribution. Mais moi-même, je n'irai pas là-bas. Ah, quand vrai. Je ne peux pas mettre mes pieds là-bas. Okay. Je ne suis plus dans toutes ces histoires. C'est toi, tu vois. On va vous donner notre contribution financière. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que tout ça, là, c'est une vieille histoire pour moi. Bon, grand frère. Vous m'excusez, quoi, mais moi, c'est ma position. Mm-hmm. Et je ne reviens pas là-dessus. Ok. Tu es l'aîné de la famille, donc. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement. Voilà, mais c'est ma position, je suis ferme. Je ne peux pas faire autrement. Ok. C'est toi, tu vois. On va demander la route. Mm-hmm. Je crois que c'est mieux. Madame, en tout cas, on va partir. Tu me rejoins sur le chemin. Est-ce que si je vais apporter ma contribution? Vous voyez ce que vous avez. D'accord. En tout cas, tu passes une bonne journée. Hein? Ok, au revoir. Je pense que c'est un piège du diable. Tu ne dois ni être à cette cérémonie, ni participer avec ton argent. Tu sais, c'est la famille. Donc, je ne veux pas rester là comme ça, sans rien faire. Mais je te rassure, je n'irai pas là-bas. Chérie, je pense que comme nous sommes des nouveaux compétits, on va aller voir le pasteur. Parce que le pasteur est mieux placé pour nous éclairer sur la question. Mais justement, c'est parce que nous sommes des chrétiens que je n'irai pas. Mais au moins, quand même, il faut que je contribue. Voilà. Chérie. Je contribue, j'apporte donnez, quelque chose. Donnez ton argent, c'est pareil. Non. Donnez ton argent. Bon, ok. Moi, je pense qu'on va voir, on va voir le pasteur. Ce qui est sûr, je suis faible. Je n'irai pas là-bas. Personne de la famille. Ils vont faire le truc là, entre eux. Mais tu es d'accord pour qu'on voie le pasteur? Non, il n'y a pas de problème. On va voir le pasteur, mais le pasteur, je suis sûr qu'il dira que, en fait, c'est une bonne chose, quoi. Okay. Le fait de contribuer. Et puis, moi, au fait, physiquement, je ne suis pas là-bas. Mais bon, je donne l'argent. Ils font tout ça, ce qu'ils veulent, ça, c'est entre eux et Dieu. Mais nous, on est chrétiens. Pas question de participer. Ok, parce que le pasteur va nous éclairer. D'accord, moi je vais tout me préparer. Ok. Prochainement. C'est comme ça elles sont. Calmes mais très dangereuses. Elle est noire comme ça, c'est elle qui entraîne notre frère dans tout ça. Et elle entraîne donc ton frère dans de. C'est pas bien. La couleur noire, est-ce que c'est une bonne chose? Elle est noire. Bon. C'est de tels comportements, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je ne coupe pas la parole. Mes génies revenus disent qu'ils ont besoin de deux coques, plus une somme de 100 000 francs. Hey, c'est beaucoup trop.